Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible en description. Pour participer, c'est très simple, vous cliquez sur le lien, vous enregistrez le jeu vidéo de votre choix parmi une large sélection de plusieurs milliers de jeux vidéo sur Instant Gaming, et vous croisez les doigts. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre soutien. Bonne vidéo! Est-ce que vous avez déjà gagné de l'argent grâce aux jeux vidéo? Et ça n'est pas un scam, promis. Je sais, au premier abord, cette question peut sembler idiote. Techniquement, si on englobe la totalité des jeux et des monnaies de manière assez grossière, d'une manière ou d'une autre, on gagne tous de l'argent dans les jeux vidéo. D'un côté, on a ceux et celles qui se concentrent sur une campagne solo, donc une expérience bien encadrée et délimitée, et où cet argent ne sert que de palier, d'objectifs calculés et réfléchis, censé ralentir ou pousser les joueurs à effectuer telle ou telle action afin de progresser, et sur le papier, ça a une valeur certes, mais c'est très limité, et ce cantonne souvent au jeu en lui-même. Dans les jeux multijoueurs, par contre, c'est une toute autre histoire. Les systèmes économiques sont un pivot et le concept même d'argent ou de richesse, qui pourtant ne sont que de simples lignes de code, ont une valeur bien plus importante aux yeux des joueurs, puisqu'étant le seul moyen de mettre un prix sur le temps investi ou sur la rareté de tel ou tel objet, allant jusqu'à dans certains cas donner naissance à de la spéculation. Oui, on y revient toujours, cherchez pas, ça me déprime aussi. C'est tentaculaire, et pour qui s'y intéresse un petit peu, et surtout sait s'y prendre, ça peut devenir une facette à part entière d'un jeu, qu'on peut exploiter à sa guise, voire même en abuser pour s'enrichir virtuellement, mais surtout, réellement. Une opportunité qui n'a pas échappé à certains géants du jeu vidéo, qui depuis des années nous offrent des moyens d'en tirer des gains, tout en se taillant la part du lion. Les exemples sont divers et variés, ça va des ventes de certains éléments cosmétiques in-game à travers des marketplaces comme celui de Steam, aux hôtels de vente à la Diablo 3, permettant aux joueurs de vendre ou d'acheter directement des pièces de stuff avec de l'argent quant à lui bien réel. Voire même un système de monnaie parallèle, style Ogryn sur Dofus, on est sur le côté visible de l'iceberg, celui mis en avant dans les jeux vidéo, le versant légal. Et même si on a tendance à pester sur ce genre d'éléments, vous verrez que c'est pas arrivé sans raison non plus. Enfin, si on exclut le fait qu'on aime bien se faire de l'argent. Une raison supplémentaire donc qui nous emmène doucement mais sûrement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui va mettre en lumière une histoire s'étalant sur près de 20 ans. Une histoire qui va nous faire voyager des balbutiements un petit peu hasardeux à l'apogée des jeux vidéo massivement multijoueurs jusqu'à leur perte de vitesse il y a quelques années. Une histoire à la limite du shonen gravitant autour d'une seule et unique personne qui dans l'ombre et pendant presque 2 décennies a réussi à duper tout le monde et se faire de l'argent sur le dos des plus gros studios de jeux vidéo. Bonjour vous, c'est Ico, vous êtes bien sur la chaîne Iconoclast et aujourd'hui on va aller voir ensemble, pas à pas, étape par étape, comment un homme a réussi à mettre en place le plus grand hold-up silencieux du jeu vidéo. Comprendre les enjeux, l'économie pas si solide des jeux en ligne. Oui bon d'accord, j'avoue, ça fait un petit peu petite salade cow-boy qu'on vous place avant le plat principal. Cela dit, je pense que c'est aussi très important de passer par là parce qu'il y a pas mal de petites subtilités qui seront évoquées qui vont rendre le tout un petit peu incroyable. Les jeux en ligne massivement multijoueurs sont depuis la naissance des jeux vidéo l'un des fantasmes les plus importants de bien des gamers. Cette idée même de pouvoir partager une aventure épique depuis chez soi avec des centaines voire des milliers d'autres joueurs, le tout sans le moindre effort. Une idée qui rapidement donnera naissance dans les années 80 au MUD, ou multi-user dungeon, eux-mêmes serviront de terreau pour les premiers MMORPG. Une belle petite boucle qui montre bel et bien que avant qu'on attende de beaux graphismes, des histoires scénarisées comme le dernier film Hollywood, nous tout ce qu'on voulait c'était jouer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. La suite normalement vous la connaissez, les MMORPG vont partir à la conquête du monde, au point d'en devenir un incontournable qu'on nous servira à toutes les sauces. Des biens, des moins biens, des légendaires, des éphémères, des hardcore, des mignons, des nuls, la liste est quasi sans fin et rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir exploré la totalité de ces mondes fantastiques qui malgré leurs différences de genre ou d'époque partagent tous un point faible commun, leur économie, qui reflète presque tout à 100% l'idée même de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme tardif idéal qui pour faire simple est une représentation fantasmée d'un capitalisme sur le point de s'effondrer mais qui grâce à la magie des jeux vidéo, la toute-puissance des développeurs est entretenue tant bien que mal, libéré de toutes les contraintes qu'une économie réelle pourrait rencontrer. Bon j'avoue que dit comme ça paraît un petit peu compliqué, mais dans les faits ça l'est pas tant que ça, il y a peut-être une chose à retenir, c'est que l'économie des MMORPG, elle est pas
parfaite et que les développeurs vont à chaque fois essayer de repousser l'obsolescence programmée qui est liée en fait à ce type de jeu. N'importe quel joueur de MMO le sait, on a tous vu plus ou moins une fois un de nos jeux favoris voir son économie détruite suite à l'arrivée d'une nouvelle zone ou d'un événement mal pensé qui à eux seuls déclencheront des ruées vers l'or annihilant tout concept de fun de bien des mécaniques de jeu ou de méthodes de farm. C'est un quasi cas d'école et peu sont les studios qui arrivent à tenir à distance cette obsolescence alimentée directement et malgré eux par les joueurs, ainsi que certaines sociétés un petit peu obscures cherchant à gagner de l'argent à l'aide de bots. Bref, c'est tout un écosystème et c'est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Pourtant, un homme a réussi à transcender toutes ces règles et est devenu un dieu monétaire, ayant le pouvoir et les capacités d'anéantir temporairement, voire totalement, n'importe quel MMO au moindre de ses faux pas. Il a vécu comme ça des années sur certains de vos MMO favoris, les a exploités, le tout, sans que qui que ce soit n'en ressente les effets ou ne soupçonne son activité. Cet homme, c'est un certain Manfred. Un grand pouvoir sans aucune responsabilité. Nous sommes le 30 septembre 1997 à Austin, dans l'état du Texas. L'automne est installé depuis un petit moment maintenant, et alors que certains se pressent déjà aux préparatifs d'Halloween, d'autres comme les employés du petit studio Origin Systems sont sur les nerfs. Aujourd'hui c'est le grand jour pour leur bébé. Le MMORPG Ultima Online sort enfin, et les serveurs sont en effervescence. C'est l'une des premières fois qu'un jeu multijoueur propose une expérience en vue isométrique, à la troisième personne, et grâce à ça, ainsi qu'à la fanbase des jeux de rôle Ultima déjà sortis sur PC, Ultima Online est un franc succès et devient officiellement l'un des premiers MMORPG populaires. L'univers est assez simple et reprend des codes bien mis en place, un monde médiéval fantastique où les joueurs vont pouvoir vivre une expérience unique, à base de mort définitive et d'accumulation d'expérience à travers leurs statistiques, les levels n'existant pas vraiment dans Ultima Online. A partir de là, n'importe qui peut être ce qu'il souhaite, il suffit d'exercer la compétence voulue et de finir par jouer le rôle de son personnage. Alchimiste, forgeron, explorateur, voleur, assassin, garde du corps, la seule limite c'est l'imagination des joueurs et les règles imposées par les maîtres du jeu qui font directement régner l'ordre in-game. Tout ça évidemment ça va énormément plaire et Ultima Online va avoir son petit succès qui va réunir plusieurs milliers de joueurs, ce qui était absolument énorme à l'époque. Un nombre conséquent qui permet aux communautés à travers les serveurs de commercer, évoluer, former des guildes, mais surtout s'affrontent dans des combats sans pitié où tous leurs équipements et inventaires sont en jeu. Une tension perpétuelle qui va devenir une mécanique centrale pour beaucoup, dont un certain Fuckshop, qui deviendra Manfred, après une petite intervention de maître du jeu. Problème, ce joueur amoureux des jeux de mots offensants est encore à l'université, n'a pas une très bonne connexion et le paie souvent par le sang de ses personnages. Ce qui l'énerve énormément et va le pousser à se venger à sa manière. Peu après, Manfred va en parallèle de son aventure mettre à profit ses capacités et sa connaissance du jeu acquis lors des alpha et bêta pour faire un petit peu de rétro-ingénierie sur Ultima Online et mettre la main sur des failles. Les débuts sont fastidieux, mais rapidement, Manfred trouve le moyen de répandre le sel dans les yeux de ses ennemis. Il va détruire ce à quoi ils tiennent le plus, leurs propriétés, que ce soit des maisons, des forts ou des échoppes, effaçant au passage tout leur bien stocké dans celle-ci. La technique est dévastatrice et lui demande peu d'efforts puisqu'il lui suffit de détourner une séquence de démolition de sa propre maison, changer son nom par celui de sa cible et de l'envoyer au serveur. Il devient l'homme du milieu, celui qui intercepte l'information envoyée par le client du jeu, la modifie à sa guise puis la transmet lui-même au serveur qui eux ne font qu'exécuter, étant persuadé d'être face au réel propriétaire. Une usurpation assez basique, hein, qui, petit bonus, lui permet de directement récupérer l'acte de propriété du terrain, le tout sans que ça n'alerte les maîtres des lieux. Avec ça, il a de quoi mettre à exécution ses vendettas et, cerise sur le gâteau, gagne le droit de se construire un petit empire immobilier. Manfred est plutôt satisfait, il s'aperçoit que les joueurs qu'il a attaqués n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais il s'aperçoit qu'il peut aller un petit peu plus loin, notamment en explorant le concept d'offre et de demande. Certes, on peut construire un petit peu partout dans Ultima Online, mais, loi du marché oblige, certains terrains sont plus convoités que d'autres. Un intérêt provoquant une forte demande qui, elle-même, donne naissance à des ventes sous le manteau, à travers des sites comme eBay, par exemple, les sites de ses propriétés allant d'une centaine à des milliers de dollars. Ni une ni deux, les premières ventes s'enchaînent, et Manfred se met à toucher du doigt l'idée que cette activité, en ligne, qui lui rapporte, je cite, du vrai argent, est sur le point de
lui payer ses frais d'université. Avec le temps, et on suppose un petit peu l'appât du gain, il affine sa technique, abandonne sa cape de vengeur des lags et fait tout pour être le plus discret possible. Comme je sais pas moi, par exemple en s'en prenant uniquement au bâtiment sur le point de s'effondrer dû à l'absence prolongée de leur propriétaire. C'est un petit peu comme abattre un arbre qui menace de tomber. Une fois à terre, personne ne cherche vraiment à savoir si c'est fait tout seul ou si quelqu'un l'a aidé. Tout ce dont on se souvient, c'est qu'il était sur le point de tomber. En tout et pour tout, l'étudiant va vendre presque une centaine de terrains, certains allant même jusqu'à flirter dangereusement avec le palier des 2000$. Tout ça n'a rien de surprenant puisque techniquement, il n'a aucun concurrent qui puisse rivaliser avec ses méthodes, un nombre quasiment infini de ressources, des acheteurs toujours plus généreux et surtout le plus important, il a conscience que les maîtres du jeu n'ont pas les outils pour remonter jusqu'à lui. C'est le crime numérique parfait. Un business plan plutôt lucratif qui malheureusement, au bout de 4 ans, va prendre fin plutôt brutalement. Et tout ça à cause d'une petite erreur. En plein excès de confiance et certainement soucieux de faire une bonne action envers ce jeu qui le met quand même plutôt bien, Manfred va remonter en personne l'existence d'un bug découvert pendant ces petites sessions bidouilleuses. Au début tout va bien, le MJ le remercie et fait remonter ça aux développeurs qui eux-mêmes en parlent avec leurs supérieurs. Et là, évidemment, c'est le drame. Le bug qui s'apparente à du sous-map n'a rien d'anodin et pour le studio, un joueur lambda n'avait aucune chance de trouver ceci sans une aide interne du studio. C'est une faute grave qui, d'après certaines sources, ira jusqu'à retomber sur le maître du jeu, ayant remonté tout ça, qui sera licencié pour avoir soi-disant fourni des informations confidentielles à Manfred, qui de son côté sera banni du jeu. Une nouvelle qui va pas vraiment passer. Le jeune homme est fou de rage. Pourquoi ? Pourquoi l'avoir banni alors qu'il essayait d'aider ? Pour lui, une chose est sûre, Ultima Online, c'est terminé. Mais c'est lui qui aura le dernier mot. Patiemment, Manfred va attendre que les joueurs et les MJ aillent se coucher. Il est tard, les serveurs se vident petit à petit, quelques irréductibles luttent encore contre le sommeil et là... des bâtiments s'effondrent. Des dizaines. Puis des centaines. Les joueurs paniquent et tentent de comprendre ce qu'il se passe en essayant de contacter un maître du jeu, mais il est déjà trop tard. Aucune construction, aucun serveur n'est à l'abri et Manfred, au milieu des décombres, va se servir de la faille qu'il avait découvert et exploitée pour détruire toutes les propriétés des joueurs sur son chemin. Le tout sous le regard médusé et impuissant de centaines de joueurs. Cette attaque a l'effet d'une bombe transformant Ultima Online en un champ de ruines. Une situation catastrophique qui au réveil va forcément entacher l'image du studio. Maintenant bien obligé, déjà dans un premier temps de charger des sauvegardes antérieures pour restaurer les serveurs, réparer cette faille, mais surtout de s'excuser. Avec sa Manfred a certes perdu sa poule aux œufs d'or, mais au moins il le sait, il aura fait passer une sale semaine à Origin System. Découverte de nouveaux horizons quand le destructeur devient le fantôme. La rupture entre Manfred et Ultima Online a été rude, mais comme n'importe quel joueur de MMO, le bonhomme va vite se remettre en selle et le destin va même lui donner un petit coup de pouce. On est au début des années 2000 et les MMORPG sortent par pack de 12, hein. C'est une aubaine pour lui qui compte bien en profiter en tant que joueur, mais aussi en tant que hacker qui va pouvoir surfer sur cette vague infinie avec toujours la même approche, jouer jusqu'à s'ennuyer et finir par se mettre à chercher des manières de s'amuser. Et par s'amuser, je veux bien entendu dire utiliser ses compétences de cybersécurité pour trouver le moyen de gagner un petit peu d'argent. À cette époque, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne Manfred. Quand il ne s'amuse plus sur un MMO, il va au minimum essayer d'en tirer profit. S'il n'y arrive pas, il se contentera d'embêter les gens jusqu'à se faire bannir. Et c'est très exactement ce qu'il s'est passé sur Shadowbane courant 2003. À peine le MMO sorti, Manfred et ses amis vont le poncer comme jamais. Il craque sous la dent, fait bien plaisir et, summum de la chance pour eux, il est bourré de failles. Un émental de codage. C'est plein de trous et y a rien qui va. Heureusement, ou malheureusement pour Shadowbane, il n'y a presque aucune demande sur le marché parallèle, et le jeu finit par totalement l'ennuyer, ce qui provoquera des déplacements et noyades de joueurs dans l'océan, des invasions de monstres surpuissants dans les cités du jeu. Il y avait des centaines de pierres tombales, les nouveaux joueurs étaient battus et torturés, le sang des débutants coulait comme une rivière. Je savais que ce n'était pas réel, mais c'était étrangement terrifiant. Une nouvelle attaque pour le moins impressionnante qui, sans vraiment de surprise, finira sur un bannissement et va le pousser à partir sur d'autres MMORPG où il va continuer à apprendre et exploiter autant que possible les coquilles oubliées par les développeurs. Une époque charnière pour Manfred puisqu'il va se rendre compte que ses petits amusements sur des MMORPG vont lui rapporter
bien plus que le salaire moyen en cybersécurité. C'est donc comme ça, et toujours dans cette optique de s'amuser avant tout, que Manfred va remettre les pieds sur un MMO sorti quelques années auparavant et auquel il avait déjà joué, Dark Age of Camelot. Il y trouvera diverses failles, du moins de quoi s'amuser, mais une découverte en particulier va l'attirer instantanément, puisqu'elle lui permet de dupliquer son personnage et donc son inventaire. Une entourloupe à l'aide de 2-3 manipulations à la Manfred qui vont réussir à duper les serveurs, les convainquant via l'envoi de paquets d'informations erronés au bon moment qu'il est en train de se déconnecter alors que pas du tout. Tout ça va donner naissance à une dissociation du personnage slash compte, une session clone qu'il n'aura qu'à dépouiller après s'être reconnecté avec le même personnage. Ne reste plus qu'à répéter cette action, encore et encore, doublant à chaque fois son or, ses ressources ainsi que ses items. Des duplications sans vraiment de limites qui vont lui permettre d'inonder le marché noir au compte-gouttes, générant toujours plus d'argent, tout cela grâce à quelques connexions et déconnexions. L'argent rentre bien, voire même trop bien, mais tout ça ne suffit pas vraiment. Manfred, maintenant fort d'une belle expérience, a bien compris une chose. S'il souhaite stabiliser ses revenus, il ne faut en aucun cas se faire repérer. Un petit peu comme une immense partie de cache-cache où la personne cachée toucherait de l'argent à chaque minute qui passe et pourrait en profiter sur plusieurs parties. En même temps, un état d'esprit qu'il va porter sur bon nombre de MMORPG où il va reproduire toujours et encore ces mêmes méthodes. Il ouvre un jeu, s'amuse avec et finit par le décortiquer ligne de code par ligne de code. Alors, ces techniques vont varier selon les MMO. Duplication, exploit de PNJ mal codé, dépassement d'entier, exploit de bug pendant l'échange, voire même transformation d'items en d'autres items bien plus rares, bref, rien ne lui résiste. Et malgré les efforts des studios pour mettre à jour tout ce qui doit l'être, il est presque invisible et déploie beaucoup d'énergie pour le rester, en évitant par exemple de perturber l'économie d'un serveur. L'économie dans les MMORPG est ce système ultra fragile qui sur le temps et sans l'aide de développeurs risque bel et bien de finir n'importe comment. Un facteur pivot n'ayant pas échappé à Manfred qui au fil des années, en plus d'avoir investi une très grande partie de nos MMORPG favoris, était devenu un spécialiste en économie virtuelle. Trop alimenter tel ou tel serveur en or ou en items rares risque de le rendre instable par rapport aux autres. Ça serait accélérer l'inflation naturelle sur celui-ci, voire la demande s'effondrer et donc faire moins de ventes. Surtout, ce serait accepter de se faire repérer à un moment ou un autre par les studios et de perdre volontairement tout accès à un exploit et donc un revenu. Un changement radical dans son mode opératoire qui va le porter un long moment, passant d'un joueur prêt à détruire par ennui à quelqu'un capable d'anticiper, modifier et exploiter au maximum l'économie d'un MMORPG, un genre de dieu des mondes virtuels qui règne en maître sous le nez de tout le monde pendant plus de 20 ans. C'est son histoire, l'épopée un peu étrange de Manfred le Fantôme. Les meilleurs hacks sont les invisibles parce que vous changez les règles sans que personne ne sache ce qui s'y passe. Révélation et fin d'une époque, la partie cachée de l'iceberg. À ce stade de la vidéo, je sais déjà quelles questions vous brûlent les lèvres. Comment est-il possible que Manfred ait réussi à s'en sortir aussi longtemps dans un domaine où les procès se dégainent plus vite que l'échec Microsoft? Surtout, comment peut-on en savoir autant sur lui? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il a été trahi ou rattrapé par un studio? Ou est-il juste mourant et aurait décidé de faire amende honorable avant de passer l'arme à gauche? Rien de tout ça, puisque alors que tout semblait bien aller pour lui, en 2017, il a décidé de révéler à tout le monde, sur une scène publique, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Attention, pas n'importe quelle scène, puisqu'on parle ici du DEFCON, un des regroupements et conventions hackers les plus connus au monde et essentiellement fréquenté chaque année à Las Vegas par des professionnels, des hackers, des bidouilleurs ou des curieux. C'est clairement the place to be, l'endroit où il faut être pour quiconque souhaite suivre l'évolution des systèmes ou des nouvelles sécurités. Manfred a donc exposé un pan entier de sa vie lors de la DEFCON 25. On y apprend qu'il y a raccroché le hacking du MMO, avec de grosses guillemets, qu'il travaille désormais en tant qu'analyste en sécurité et chercheur chez un évaluateur de sécurité indépendant, quand tout et pour tout c'est plus de 100 vulnérabilités publiquement inconnues qu'il aurait découvert sur une vingtaine de jeux, avant d'enchaîner dans le plus grand des calmes par en exposer quelques-unes tout en citant une bonne partie des jeux qu'il a exploités. Et attention, parce que la liste, elle est longue. Ultima Online, Anarchy Online, Dark Age of Camelot, Asheron Scrolls 2, Final Fantasy XI Online, Lineage 2, Shadowbane, World of Warcraft, Lord of the Rings,
Rings Online, Age of Conan, Final Fantasy XIV, Rift, SWTOR, Age of Wushu, Guild Wars 2, Darkfall Unholy Wars, Wildstar, The Elder Scrolls Online. Si vous avez déjà joué à l'un de ces MMO, il y a de très fortes chances qu'à un moment dans votre vie de joueur, vous ayez mis la main sur de l'argent ou sur des objets qui ont été générés par Manfred. Celui-ci n'hésitant pas à enfoncer le clou en soulignant que pour la majorité de ses jeux, il était LE plus gros fournisseur de sites de revente tiers. Alors dans le lot, il y a bien entendu quelques exceptions, comme par exemple World of Warcraft, où visiblement, Manfred n'a fait que troller en se boostant ses propres personnages. Mais dans l'ensemble, si Mafia du Gold Selling il devait y avoir, il n'est pas difficile de comprendre que Manfred aurait été à la tête de l'une des familles les plus puissantes dans un secteur qui à son apogée pouvait générer des milliards de dollars par an. Ça veut pas dire qu'il s'est fait des milliards, attention, on n'a aucune preuve et c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'avancer avec cette vidéo. Cela dit, force est de constater qu'il s'est quand même mis relativement bien avec ce que lui-même va appeler du hacking éthique. Pour lui, générer cet argent sans perturber ou détruire les jeux en question, ça n'avait rien de vraiment malveillant. C'est être, je cite, un Casper gentil fantôme hacker, un être invisible qui modifie les règles d'un jeu pour en profiter et ponctionner légèrement les revenus de titans de l'industrie du jeu vidéo, qui de toute façon ne le sentiront même pas passer. Je n'aime pas les appeler hacks, c'est plus comme trouver des fonctionnalités involontaires dans le protocole. La conférence dure 45 minutes, 45 longues minutes où Manfred va exposer un par un aux yeux du monde entier à quel point certains studios n'ont eu aucun contrôle sur leur jeu. Les extraits s'enchaînent, les exemples aussi, le public semble adorer. Il quitte la scène, fait une petite interview pour Vice le soir même. On y apprend, entre autres, qu'il a les moyens de générer l'équivalent de 397 milliards de dollars d'or sur son personnage Wildstar, avant de disparaître des radars pour de bon. Nous sommes en juillet 2017 et c'est ici que nous avons perdu la trace de Manfred, peut-être pour toujours. Du moins, nous n'avons rien trouvé à part un Manfred hacker domicilié à Fréjus, mais je vous avoue que j'ai de sérieux doutes là-dessus. Des événements et propos choc qui pourraient presque séduire maintenant que la tempête est passée. Mais en tant que joueur de MMORPG, j'aimerais vous dire que je suis quand même assez mal à l'aise avec ce genre de propos qui ont été tenus par Manfred, et j'aimerais clore cette vidéo avec une réflexion. On a presque tous connu un MMO dans nos vies, et sans surprise, je suis sûr qu'on a tous eu cette idée en tête que les gold sellers tuaient nos jeux avec leurs bots et ou magouilles. Et même si j'arrive à avoir une réelle admiration pour l'exploit accompli par Manfred sur ces 20 dernières années, je reste perplexe quant à sa position et surtout sur le côté cool kid qu'il essaye de transmettre à travers son histoire et cette conférence. Certes, il a tenté de préserver l'expérience des joueurs, mais soyons honnêtes, c'était en grande partie pour ne pas se faire repérer. Oui, il a aussi, et c'est vrai, en quelque sorte fait concurrence à des sociétés douteuses, voire même d'autres hackers moins regardants, mais avec ça, a sûrement provoqué bien plus de mal, comme l'explosion du nombre de bots, ou la création de bulles spéculatives en HDV. Tout ça n'a rien d'anodin, et qu'il le veuille ou non, une grande partie des joueurs ont certainement subi Manfred, puisque justement, il ne jouait pas selon les mêmes règles que tout le monde, et a sûrement créé plus de problèmes qu'autre chose. Maintenant, voilà, libre à chacun de se faire sa petite idée sur le sujet, zéro ou héros, c'est à vous d'en juger. N'hésitez d'ailleurs pas à partager ça en commentaire avec nous, on est assez curieux de voir si vous êtes team frustré ou bien team impressionné. Et c'est ainsi que va se clore cette vidéo et cette histoire pour le moins rocambolesque sur Manfred. De notre côté, on va essayer de vous proposer plus régulièrement ce genre de contenu un petit peu plus narratif qui est finalement très proche en fait de ce qu'on avait fait sur la vidéo de Eve Online. Et ben vous, de votre côté, essayez de commenter et de nous donner votre avis là-dessus parce que vraiment, c'est ce qui nous motive à avancer. Le fromage de Tob, ce n'est pas du vrai fromage, c'était Ico. Ciao.